vais donc visiter les 15 villas de la cité de l'Union africaine. Je pense que les travaux ont été exécutés au niveau de ces villas-là, dans les règles de l'art. J'ai vu que c'est des logements vraiment haut standing, donc qui peuvent accueillir convenablement nos hôtes. Je me réjouis donc de ce que ces travaux aient été effectués dans les règles de l'art. Je voudrais féliciter l'entreprise qui a procédé à ces travaux. Ensuite, nous sommes ici sur l'emprise de la route de la corniche Yantala. Cette corniche ne se résume pas aux travaux de cette route. Il y a tout un aménagement qui est prévu. Comme vous le savez, le quartier Kombo, en principe, doit être déménagé. Je constate là également, sur ce chantier, que les travaux avancent normalement. L'ambition, c'est de poursuivre, de rendre Niamey vraiment une ville véritablement coquette, une capitale digne de ce que souhaitent les Nigériens et en particulier les Niaméens.